Bonjour amis poissons, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de ce mois de juillet 2020. Pour vous, ce sera le temps d'une nouvelle ère. Oh, alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance du mois. Tout ce que la vie vous réserve à travers l'oracle, les transits planétaires sur votre signe, le conseil de la mère universelle et votre surprise du mois. Alors, ne me quittez pas. Nous allons commencer. Sachez cependant que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnelle. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi, mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Poissons, voyons quelle va être l'énergie de ce mois de juillet pour vous, l'énergie globale, générale, le fil rouge, la trame de votre mois de juillet. Le battleur. Le battleur, c'est le premier arcane du tarot de Marseille. C'est le numéro 1. Alors, le battleur, quelle est sa symbolique? Tout d'abord, vous voyez un jeune homme, évidemment. Alors, bien sûr, c'est valable que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est symbolique. Mais en tout cas, quelqu'un qui est jeune, ça veut dire qui a la vie devant lui. Hein. Même que vous ayez un certain âge, le problème n'est pas là. C'est la symbolique d'avoir une nouvelle vie devant soi. Alors, le battleur, si vous le remarquez, il forme le chiffre 4 aussi avec ses pieds. Ça veut dire que son avenir est garanti. Sur sa table, si vous connaissiez les éléments, il a tous les éléments de la vie, les outils, hein, vraiment tout ce qu'il faut pour avancer dans la vie. Sauf que le battleur n'a pas encore réuni tous ces éléments, il ne s'en est pas encore servi, il n'en est pas là. Le battleur nous dit, tu es à la veille d'une nouvelle existence. Tous les outils sont là, tu vas bientôt les réunir et tu vas enfin pouvoir démarrer. Si vous le remarquez, comme celui de la force, le chapeau du battleur forme l'infini. Tout lui est ouvert. Il regarde encore vers le passé. Les choses du passé lui ont fait expérience, lui font expérience. Sa main est dans l'immédiat, vers les outils. Il a une pièce, quelque chose dans sa main. Il est donc dans le ici et maintenant. Et en même temps, évidemment, sa main gauche est tournée vers l'avenir avec le bâton de direction. Donc, le battleur, c'est vraiment le symbole que vous êtes à la veille d'une nouvelle existence. Alors, soit vous venez de finir des études et vous allez démarrer dans le travail, soit vous venez de finir un stage, soit vous venez de divorcer, soit vous venez de quitter un emploi, vous avez fermé votre entreprise. Bref, vous avez conclu quelque chose et vous êtes à la veille d'une nouvelle existence. Voilà. Donc, de nouvelles choses. De belles choses vous arrivent. Allez, sois stable, comme tu l'es justement. Alors, rentrons dans le détail. Nous avons dans ce tirage trois arcanes majeures. Nous avons le pendu, la roue de fortune et le hiérophante, c'est-à-dire le pape. Alors, sur ces trois arcanes, ils vont nous mener le jeu, hein, ils vont mener le rythme. Et en effet, si nous regardons ici, nous voyons le 9 de pentacle et le 2 d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire?
Le 9 de Pentacle, comme tous les 9, c'est une fin de cycle. Vous avez fait ce qu'il fallait. Regardez comme ce personnage est richement habillé. Non seulement richement habillé, mais une grande force de capacité, puisqu'elle tient un petit aigle, elle tient l'aigle, un aigle ou un faucon, excusez-moi, plutôt un faucon, sur sa main, et on sait qu'il faut une certaine maîtrise pour cela. Et puis, elle marche sur des pentacles, sur de l'argent, sur des deniers. Derrière, nous voyons une riche demeure. Évidemment, c'est quelqu'un de riche, une maîtresse-femme qui règne sur son domaine. Alors, on voit bien donc de cette façon que vous avez tout fait pour arriver aujourd'hui, à ce mois de juillet, là où vous en êtes. Hein, vous avez tout fait pour mettre en place et pour faire les choses. Et puis, le 2 d'épée nous indique que les choses n'ont pas été simples, mais le 2 d'épée indique toujours une ouverture vers un ailleurs. Vous ne connaissez pas encore cet ailleurs. Vous voyez que vos yeux sont bandés. Nous avons un volcan en éruption au fond, la passion, hein, signe de passion. Et cette femme aussi est magnifique, hein, elle est très apprêtée aussi. Sa coiffure, sa robe, c'est une guerrière, une battante. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous êtes battu jusqu'à présent, vous avez fait beaucoup d'efforts jusqu'à présent, et oui. Eh bien, vraiment, ça va déboucher. Effectivement, ça va vous permettre d'aller plus loin. Le 5 d'épée qui est ici nous montre que ça n'a pas été simple. Le 5 d'épée, c'est une carte très dure, c'est un deuil. On a fait le deuil de quelque chose, ou bien on tourne carrément une page, qui d'ailleurs nous est rappelée par la roue de fortune. Le pendu nous fait rappel à ce qui vient de se passer. Vous avez été bloqué, vous avez été obligé de faire certaines choses, vous avez été obligé de grandir dans quelque chose qui vous étiez enserré, trop serré. Et enfin, aujourd'hui, à partir de ce mois de juillet, regardez, c'est la libération. Tout a été fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le 10 de coupe, tout a été mis en place et vous avez votre Graal à partir de maintenant. Donc, fini, balayez le pendu, les obligations que vous avez eues, parce qu'il fallait en passer par là. Et maintenant, voici le 10 de coupe, voici le 10 de baguette. Alors, le 10 de coupe et de baguette, qui sont donc tous les deux des 10, eh bien, vous montre vraiment qu'à tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau relationnel et au niveau matériel avec les baguettes, eh bien, vous avez atteint un certain sommet, une étape. Vous êtes à une étape et vous pouvez maintenant vous diriger vers autre chose. Mais attention, les choses ne viennent pas seulement de vous. En effet, la roue de fortune et le roi de coupe nous indiquent ici qu'un événement extérieur très positif va venir vers vous. Alors, quel événement? Eh bien, vous verrez bien, je ne peux pas vous le dire dans le détail. Tout ce que je sais, c'est que le roi de coupe est une aide. Le roi de coupe, c'est du piston, c'est de l'aide. C'est quelqu'un qui a un grand pouvoir sur les autres. Le Graal, il vient vous le porter à vous. C'est quelqu'un qui réfléchit. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de très bienveillant. Hein. Donc, roue qui tourne grâce à une aide sur votre route, à quelqu'un qui, boum, boum, vous aide à donner un tour de roue, vous booste, vous pousse vers quelque chose. Et le pape qui vient confirmer tout ça, le hiérophante, le pape, grande bénédiction à vous, grande aide sur votre route. Et bien sûr, vous êtes complètement bien placé sur la route et le pape est vraiment le signe d'une aide énorme. Lorsqu'on a, vous voyez, le battleur et le pape, ça veut dire que vous allez avoir, vous êtes à la veille d'une nouvelle existence, nous l'avons dit, et vous allez avoir de l'aide sur votre route et vous allez pouvoir démarrer ce nouveau chemin. Alors, je ne dirais pas en toute quiétude, dans le sens où une nouvelle route, c'est toujours inquiétant et angoissant, mais vous aurez tous les éléments en main. Ce n'est pas pour rien, vous les avez préparés. Donc vraiment, on peut dire qu'une nouvelle ère s'ouvre à vous ici. Hein, avec le pape comme bénédiction, c'est fantastique. Alors, voyons ce que vous disent les étincelles divines. Alors, nous avons la sagesse du temps. La sagesse du temps, c'est le temps qui passe. Justement, on voit bien que le temps est passé et que vous avez fait ce qu'il fallait. La tortue qui était au début du chemin de la connaissance est arrivée au livre. Vous êtes arrivé au bout. L'ermite, vous-même, hein, votre réflexion, vous êtes montré la voie. Le dauphin, vous avez regardé la lumière que le phare vous indiquait. Bref, vous avez avancé,
vous avez acquis votre Graal. Alors là, vous êtes à la croisée des routes, sur la veille, à la veille d'une nouvelle route, effectivement. Et l'étincelle 17, la transparence, c'est l'étincelle de la protection divine. Pas n'importe laquelle de protection. La transparence, c'est vraiment cette bouche qui vient vous envoyer les rayons, qui symbolise en fait la lumière, le soleil, mais qui vient vous parler. Et là, on est vraiment sur l'étage d'une aide. On vous propose quelque chose. Cette nouvelle route, elle n'est pas là pour rien. C'est vrai que vous étiez prête, c'est vrai que vous étiez prêt, c'est vrai que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, la vie s'en mêle, boum, le coup de chance, et en même temps, vous êtes prêt, eh ben, on vient vous chercher. Comme quoi, dans la vie, quand on fait, on vient nous chercher. Nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel pour vous en ce mois de juillet. On va focaliser sur les relations humaines, les amitiés, la famille, les amours. Nous allons voir cela et c'est maintenant. Poissons, voyons pour vous maintenant le côté strictement relationnel, l'amour, les relations familiales, sociales, les relations humaines. Alors voyons poisson le fil rouge qui va, guider votre mois de juillet au point de vue relationnel. Soyez le chasseur, pas le chassé. Ah, alors ça c'est bien. Soyez le chasseur, pas le chassé, c'est vraiment reprenez votre vie en main niveau relationnel. Ne vous laissez plus faire. C'est vous qui devez dire ce que vous voulez ou le faire comprendre en tout cas. Il faut que vous soyez le chasseur et non pas la personne qui est chassée. C'est beau comme carte. Et effectivement, avec le bateleur qui est à la veille d'une nouvelle existence, on est tout à fait dans quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas à écouter les ordres de quelqu'un ou quoi que ce soit en ce sens. Alors, allons un petit peu plus loin. Vous êtes dans l'abandon, dans l'acceptation, effectivement. C'est vraiment quelque chose qui, pour vous, au point de vue, enfin, dans les relations, vous acceptez les choses telles qu'elles sont. C'est pas du tout que vous ne faites rien pour ça, mais vous avez une tendance à accepter ce que les autres vous disent, ou la façon dont, non pas dont ils vous traitent, mais disons, où ils parlent d'eux-mêmes, voilà. Vous êtes plutôt dans une idée d'acceptation, vous ne remettez pas en question ce qu'ils disent, vous avez du mal à affronter les autres. Or, il se trouve que vraiment, vous en avez marre. D'ailleurs, de toute façon, l'oracle vous le dit, vous ne serez plus le chassé, vous allez être le chasseur. C'est comme ça, ce sont des énergies contre lesquelles vous ne pouvez rien et qui sont effectivement excellentes, justement. Alors, la décision, elle est importante pour vous. C'est vraiment, vous allez décider de changer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire décider de changer? C'est pas comme ça que ça se passe. Mais quand les énergies sont là, en fait, on change. Et donc, vous allez prendre des décisions par rapport à certaines personnes et vraiment, vous allez pouvoir être dans une idée de réaction. Nous avons le jugement dernier. Alors, le jugement dernier, c'est toujours un vrai réveil. Vous voyez cette espèce de lumière magique, c'est très bien représenté d'ailleurs, qui frappe d'abord en haut, puis frappe en bas, elle frappe partout. Ça veut dire que vous allez vous réveiller. Quelque chose va vous réveiller en juillet, un fait. Peut-être un ultime reproche qu'on va vous faire, une ultime réaction vis-à-vis de vous, ça suffit. Vraiment, vous allez réagir, et de réagir d'une bonne façon. Ça sera une véritable révélation pour vous, et en plus, il y aura vraiment, par rapport à cette réaction, vous vous rendrez compte tout de suite que des choses viennent vers vous.
Jusqu'à présent, vous étiez un peu caché, feutré. Il n'y a pas grand-chose qui venait vers vous. Vous acceptiez ce qu'on vous dit. Bon, oui, ça peut pas être autrement, de toute façon. Voilà, les poissons un peu rêveurs, un peu dans l'idéalisation. Bah, si on veut me dire quelque chose, si on veut me dire quelque chose de bien, on viendra me le dire. Non, c'est pas vrai. Donc, les énergies pour vous sont vraiment le chasseur. Les énergies pour vous vous mettent vraiment dans une idée, dans une vraie révélation de bouger, de ne plus accepter les choses telles qu'elles elles sont, justement. Et vous verrez que tout de suite, vous avez un retour extrêmement positif. Et du coup, vous serez vraiment à la veille d'une nouvelle existence. C'est-à-dire que ce retournement comment dire, de situation, mais surtout ce retournement de réaction, de réactivité, va vous permettre de vous faire voir autrement. Et on va tenir compte de vous. Parce que vous êtes quelqu'un, évidemment, de très intéressant. Alors, en conclusion, le miracle. Et la force créatrice. Ben, le miracle, ça veut dire qu'un miracle va agir dans votre vie. Voilà, tout simplement. Ah, c'est le bon moment. C'est le temps. La vie dit, maintenant ça suffit, tu arrêtes de t'écraser, tu arrêtes d'écouter tout ce que disent les autres, de penser que c'est vrai ou de penser qu'il faut respecter ça. Stop. Un vrai miracle va se produire. Et la force que vous avez en vous, parce que le pire de tout, c'est que vous avez beaucoup de force, va se lever. D'une main, vous tenez le Graal, d'une autre main, la Terre. Votre vie démarre. Voilà. Relationnellement, votre vie démarre. Alors, les mises en place se feront progressivement, mais vous avez passé un cap. En juillet. Voyons maintenant. Oups. Hop là. Voilà. Voyons maintenant pour vous le conseil de la mère universelle. Alors. Quelle est la parole en ce mois de juillet pour vous de la mère universelle? Quel est son conseil, hein, sur votre route? Oh, bof. Écoutez, mais Notre-Dame de la nouvelle vision. Voilà ce que vous dit Notre-Dame de la nouvelle vision. Écoutez bien sa parole. Je dépose mon œil sacré ouvert dans ton cœur afin que tu puisses me voir. Abandonne les petits rêves et deviens réceptif à la nouvelle sagesse. Mon œil dans ton cœur voit une grande beauté. Vois-tu émerger la nouvelle vision? Le temps est maintenant venu d'oser rêver, mais de prier avec vigueur et conviction pour que cette vision de rêve, la plus merveilleuse que tu puisses recevoir, prenne vie pour le bien de toi et le bien de tous, car tu as beaucoup à apporter. Je suis auprès de toi pour cela. Voilà pour vous, poissons. La parole de Notre-Dame de la Nouvelle Vision, c'est une très belle carte. Elle est extraordinaire. Elle nous demande d'avancer sur notre route, de bifurquer, de nous poser, de nous imposer. C'est la parole pour vous. Et maintenant, eh bien, il est temps de voir les transits astrologiques sur votre signe et puis surtout votre surprise du mois. Maintenant, Poissons, voyons les influences astrales de ce mois de juillet sur votre signe qui est ici. Alors, tout d'abord, nous voyons que vous avez Neptune. Bon, ça, on le sait, hein. Ça fait déjà quelques années qu'elle est chez vous. C'est votre planète. Neptune, c'est la planète de l'idéalisation, du rêve. C'est aussi la planète des artistes. Donc, les poissons qui ont une activité artistique sont très bien éclairés depuis quelques années. C'est une évidence, on le sait. C'est notre toile de fond, c'est la vôtre, disons plutôt. Elle est là pour vous donner confiance en vous. Le mois dernier, vous aviez Mars qui a fait
une conjonction à Neptune qui a été difficile. Vous avez dû avoir des difficultés, des heurts avec certaines personnes, les écailles vous sont tombées des yeux, vous aviez idéalisé des gens, vous vous êtes rendu compte que ben, ces gens, ils n'étaient pas meilleurs que les autres, etc. Donc là, vous démarrez ce mois de juillet avec, comment dire, une belle énergie. Mars est maintenant devant vous, mais justement, elle vous tire en avant et vous avez encore quelques ennuis avec des femmes ou une femme hein, dans votre environnement. Alors ça, c'est tout à fait possible. Elle vous cherche des noises, mais bon, hein, voilà. Ça, c'était surtout le mois dernier, il y a eu un souci. Mais vous avez très bien maîtrisé et pour une fois, eh bien, vous y êtes allé. Vous êtes allé au combat, vous ne vous êtes pas laissé faire. Alors je dis pour une fois, parce que c'est vrai que le tempérament des poissons, c'est souvent laisser faire, laisser aller, on verra bien. Mais là, vraiment, vous avez saisi le taureau par les cornes et vous avez très bien fait. Et derrière vous, évidemment, il y a toujours ce gros aspect qui est encore à la fin du Capricorne et qui va vous servir. Mais il est derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir à peu près là 2 ans devant vous avec Saturne qui va passer en Verseau, donc vraiment dans votre dos. 2 ans où vous allez monter quelque chose. Enfin, vous allez aller en puissance. Alors, ça peut être une relation amoureuse qui, vraiment, dans les 2 ans qui viennent, il va y avoir un enfant, vous achetez la maison de vos rêves, etc. Et ça peut être évidemment aussi, surtout, au niveau des activités où, ben, par exemple, vous finissez des études, vous avez encore 2 ans et ce sera fini, ou bien vous avez fini vos études, au contraire, et vous rentrez là, quelque part, qui pendant 2 ans, vous allez faire votre trou, vous montez une entreprise. Voilà, ces 2 ans qui viennent, qui sont derrière vous, ça va être beaucoup de travail, vraiment, et vous en aurez le résultat dans 2 ans. Alors là, on n'en est pas là, on est juste au mois de juillet, mais c'est pour vous donner quand même une, voyez, une vision un peu plus éloignée. Alors, pour l'instant, tout va bien. En ce mois de juillet, belle énergie, on va, alors toujours un peu cette femme derrière, ou voilà, qui tempête toujours un petit peu, mais vous avez gagné, sans plus, ça va s'éloigner, hein. Ça c'est vraiment du passé, c'était les semaines précédentes, là maintenant ça s'en va, ça s'arrête. Donc tout va bien pour vous, un mois de juillet, j'ai presque envie de dire tranquille, tout en étant vraiment, comment dire, vous vous sentez à la veille de quelque chose de nouveau, parce que vous sentez bien qu'à la rentrée, vous allez vraiment démarrer quelque chose et que vous en aurez pour un bon moment, mais ça se sent, hein, c'est dans l'air. Vous le savez, mais c'est ce que vous voulez, vous maîtrisez. Donc, ces mois de juillet et d'août, je pense que vous allez pouvoir un peu lever le pied et puis, voilà, avoir dans la tête, peut-être préparer des choses sur le papier, des plans, qu'est-ce que vous allez faire, etc. C'est un peu ces 2 mois qui viennent, des mois de préparation. Voilà, donc pour vous, poissons, ce mois de juillet. Et maintenant, vous allez voir votre surprise du mois pour vous. Et maintenant, le moment attendu, votre surprise de ce mois de juillet. 5 cartes devant vous. 1, 2, 3, 4, 5. 5 surprises. Choisissez votre surprise. Ça y est, vous avez choisi. Allez, nous commençons par la fin. Si vous avez choisi la surprise numéro 5, une fête vous attend en ce mois de juillet. Si vous avez choisi la surprise numéro 4, un message, une lettre, un texto, un email, un coup de téléphone même. Un message surprise qui vous ravira. Si vous avez choisi la surprise numéro 3, une surprise amoureuse, ça c'est top. Si vous avez choisi la surprise numéro 2, un voyage. Je vous le souhaite en tout cas, un joli voyage. Si vous avez choisi la surprise numéro 1, vous allez apprendre quelque chose, ou on va vous dire quelque chose, ça va être une grande surprise pour vous, et vous allez être transporté sur un petit nuage.
Mes amis, je vous souhaite un superbe mois de juillet. Vraiment qu'il vous apporte des changements, qu'il vous apporte du soulagement, qu'il vous apporte du bonheur, de la joie, des vacances, la plage, tout ce que vous voulez, les voyages. Et vraiment, je vous le souhaite magnifiquement bien éclairé. Et je vous dis donc à bientôt.